Emmanuel Macron a reçu vendredi les pêcheurs français à l'Élysée pour les assurer du soutien de l'État sur la question des droits de pêche. Paris, qui réclame de Londres encore 73 licences, va demander à la Commission européenne d'engager un contentieux contre le Royaume-Uni. C'est un mécanisme prévu par l'accord de Brexit qui n'a pour l'heure jamais été utilisé. Malgré la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les pêcheurs européens peuvent continuer à travailler dans les eaux britanniques à condition de prouver qu'ils y pêchaient auparavant. Depuis plus de 11 mois, la France et le Royaume-Uni se disputent sur la nature des justificatifs à fournir. Les pêcheurs français ont mené plusieurs actions de blocage de ports ces dernières semaines, mais également du tunnel sous la Manche. C'était le 26 novembre pour protester contre Londres. Avec cette procédure de contentieux, Paris espère obtenir les licences prioritaires, mais les autorités françaises savent qu'elles ne pourront pas obtenir toutes les licences. Pour les pêcheurs lésés, des indemnisations au cas par cas seront prévues.